Cédric, qui fait que quand il termine les annonces, on doit toujours te parler. Every time you give announcements, they need to clap for you. Alléluia. Amen. Devons prêcher aussi avec le masque. Must also preach with the mask. Oh, Jésus est bon. Salut votre voisin de gauche et de droite. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Greet your neighbor, left and right. I'm happy to see you today. Vous n'étiez pas là lors de la pendant la retraite, mais maintenant je te vois, je suis content. You were not there during the retreat, but I see you and I'm happy. Je t'ai pas vu jeudi ni vendredi, mais aujourd'hui tu es là. I didn't see you on Thursday or Friday, but at least you're here today. Gloire à Jésus, alléluia. Glory to Jesus. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Donc quand nous venons dans la présence de Dieu, nous ne devons pas venir avec des attitudes, avec des charismes. Non, non, non. Ce n'est pas l'endroit de charismer, c'est l'endroit d'être à l'aise. When we come into the presence of the Lord, we mustn't have attitude of charisma. C'est le plus endroit où nous pouvons rire. This is the place where we can. Peut-être à la maison, votre épouse, votre mari vous a énervé. Dès que vous entrez ici, souriez. Maybe your wife or husband upset you, but as soon as you come here, please smile. Vous pouvez répondre à votre colère après, mais à l'intérieur, ici, en train de sourire. When you leave, you can take back your anger, but inside, you must smile. Alléluia. Amen. Ah, mais vite même pas, mais vite même pas. Oh, gloire, je suis dans la joie de me retrouver parmi vous. I am in joy to find myself among you. En ce moment, si je pouvais me trouver, je ne sais où, mais Dieu a voulu que nous soyons ensemble. Cela me fait de la joie. I could have been elsewhere, but God decided that we may ensemble avec des héritiers. Together with the heirs. Les hommes et les femmes qui croient aux promesses de Dieu. Men and women who believe in the promises of God. Et les hommes et les femmes qui vont hériter et qui héritent les promesses de Dieu. Men and women who will inherit and who inherit the promises. Cette pandémie ne change pas les promesses de Dieu. This pandemic does not change. Cette pandémie ne change pas les programmes de Dieu. It does not change the program. Ce que Dieu a prévu de faire dans votre vie, va, cela va arriver, cela va s'accomplir. Pandémie ou pas pandémie. In your life will be fulfilled. Vaccin ou pas vaccin. Or not. Vaccine or not. Pas vaccin. Attends, nous allons arriver. Whether there's a vaccine or not, we are going to get there. Alléluia. Amen. C'est bon que. Il fallait seulement que le pasteur ait dit face à nos annonces aujourd'hui. Pastor Eddie had to give announcements today. C'est bon. Nous devons suivre toutes ces enseignements, toutes ces disciplines. So we need to follow all those disciplines. Parce que moi, vraiment, je ne vais pas faire ces annonces comme il l'a fait. Non. Because I wasn't going to do those announcements like he did. J'ai parlé avec quelqu'un qui est même à tête hier. J'ai dit, viens à l'église. I was talking to someone who's infected and I asked them to come to church. Voilà pourquoi j'ai dit que moi je ne peux pas faire ces annonces. That is why. Ma femme a dit jamais. J'ai dit ah ok. On m'a conseillé ici, reste à la maison. I was advised so you can stay at home. Alléluia. Amen. Non, quand vous sentez que ça marche pas, restez seulement. So when you feel that you are not well, please remain. J'ai dit va, reste à la maison, fais le test, quand tu seras bien, alors tu vas revenir. Remain at home, do the test. When you'll be well, then you can come back. Nous sommes des hommes de foi. We are men. Vous savez quand Pasteur dit parler de foi, mon ami, nous sommes de côté là de la foi. When Pasteur was saying, I said, I am on the side of faith. Je sais que même si tu entres avec ta maladie, tu ne vas attraper personne. I know when you come here with your disease, it won't affect anyone. Ils ont diminué mais dans la zone. I'm not accepting, but I am. Alléluia. Amen. Il fallait que Pasteur dit à son abisso. What Pasteur dit had to do that. Voilà pourquoi c'est bon d'avoir une bonne femme. Ma femme m'a dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Elle dit, non, je ne suis pas d'accord. Je dis, ah bon, ok, je prends le téléphone. Il dit, frère, reste à la maison. That's why it's good to have a good wife, because she told me, what did you tell him? I called him back and said, stay at home. Il a dit, oui, docteur, je reste à la maison. And he said, yes, I'm going to stay home. Ah oui, donc, reste à la maison, quand, comme il dit, oh, reste à la maison. So as soon as you start coughing, please stay at home. C'est pas pour me protéger, c'est pour protéger les autres. It is not to protect me, but others. Alléluia. Père, merci pour ce moment. Father, thank you for this time. Bénis, Seigneur, ta parole. Bless your word. Parle à mon cœur. Speak to us. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus. Holy Spirit, lift up the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen.
Trois connaissances essentielles de la vie. Three essential knowledge of life. La connaissance de Dieu. The knowledge of God. La connaissance de son identité. The knowledge of your identity. Et la connaissance de la volonté de Dieu. And the knowledge of the will of God. Nous avons parlé longuement sur la connaissance de Dieu. We spoke for a very long time on the knowledge of Et God. Nous avons commencé depuis quelques semaines à parler de la connaissance de son identité. And for a few weeks we've been talking about the knowledge of your identity. Il est important que vous puissiez connaître qui vous êtes en Jésus. It is important that you may know who you are. Qui vous êtes en Jésus. Who you are in Jesus. Nous avons dit que nous sommes une nouvelle créature. We say that we are a new creature. Nous sommes devenus enfants de Dieu. We have become children of God. Nous avons été rachetés. We have been redeemed. Nous avons été rachetés pour être bénis. We have been redeemed in order to nous be blessed. Nous sommes des hommes et des femmes bénis. We are men and women that are blessed. La malédiction n'est plus, ne marche plus dans notre vie. Curse doesn't work in our life. Mais nous marchons dans la bénédiction. But we were walking in blessing. Et nous avons dit que nous avons été justifiés. And we said that we have been justified. Nous pouvons nous présenter devant Dieu comme si les péchés n'existaient pas. We can stand before God as if sin does not exist. Dieu nous a accepté dans sa présence. God has accepted us in His presence. Dieu nous a accepté dans sa présence. God has accepted us in His presence. Nous pouvons nous approcher de Dieu sans problème, n'importe où, n'importe comment. We can draw near Him without any problems anywhere and à genoux, debout, en marchant, nous pouvons nous approcher de Dieu. On our knees, standing up or walking, we can draw near God. Il y a des gens qui se vantent. J'ai rencontré le président Cyril Ramaphosa. There are those who are boasting of that they have met the president. J'étais avec le président Félix Tshilombo. I was with the president Félix Tshilombo. J'étais avec un frère Macron, comment il s'appelle? Emmanuel Macron. I was with Emmanuel Macron. J'étais avec. I was with so and so. Nous aussi, nous pouvons nous réjouir. We can also rejoice. Moi, je rencontre le roi des rois, le Seigneur des rois. I see the Lord of Lords and the Lord of Glory every day. Sans audience. Without an audience. Comme je le veux. Whenever I want. Autrefois, c'était pas possible. In the past, it was not possible. Mais en Jésus. But in Jesus, il nous donne l'accès d'entrer dans la présence de Dieu. He gives us the access to go into the presence of God. Dans la présence de Dieu. In the presence of God. Je peux entrer dans la présence de Dieu. I can go into the presence of God. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler du salut. Nous avons été sauvés. Today I would like to talk about salvation. We have been saved. En Christ, nous avons été sauvés. In Christ, we have been saved. En Christ, nous sommes sauvés. In Christ, we are saved. Nous ne sommes plus sous la condamnation du péché. We are no longer under the condemnation of sin. Nous ne sommes plus sous la condamnation, la domination du diable. We are no longer under the rulership of the devil. Nous avons été rachetés. We have been redeemed. Nous avons été sauvés. We have been saved. Romains chapitre 6 verset 23 nous dit. In the book of Romans chapter 6 verse 23 it says. Car le salaire du péché c'est la mort. For the wages of sin. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Le péché nous a tués. The sin has killed us. Le péché nous a éloigné de Dieu. The sin has taken us away from God. Mais par sa grâce. But through His grace. Nous avons été réconciliés. We have been reconciled. Par la grâce de Dieu. Through the grace of God. En Jésus Christ nous avons été réconciliés avec Dieu. In Jesus Christ we have been reconciled with God. Nous étions morts. We were dead. Nous étions condamnés à la perdition éternelle. We were condemned to eternal loss. À cause du péché. Because of sin. Mais en Jésus Christ. But in Jesus Christ. Dieu nous a rachetés, nous a sauvés. God has redeemed and saved us. Ephésiens chapitre 2 verset 4 à 8. Ephesians chapter 2 verse 4. Oh, gloire au Seigneur. Hallelujah. Gloire à Dieu. Ephésiens chapitre 2, nous disons à partir du verset 4. Ephesians chapter 2, we read from verse 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. But God who is rich in mercy. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Because of his great love with which he loved. Nous qui étions morts par nos offenses. Even when we were dead in trespass. Nous a rendu à la vie avec Christ. Made us alive together with Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. By grace you have been saved. Verset 6. Verse 6. Il nous a ressuscités ensemble. And raised us up together. Et nous a fait
asseoir ensemble and made us sit dans le lieu céleste en Jésus-Christ. In heavenly places in Jesus Christ. Nous sommes assis en ce moment-ci. We are seated at this time. Comme nous sommes assis ici au sanctuaire de la promesse. And we are seated here at the house of promise. En même temps, nous sommes assis à la droite du Père, comme Éphésiens 1:20 nous dit. Dans le lieu céleste. And at the same time, we are seated on the right hand of the Father, as Ephesians 1:20 says, in heavenly places. En Christ. In Christ. Verset 7. Verse 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. That in the ages to come, he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us in Christ Jesus. Verset 8. And verse 8. Car c'est la grâce que vous êtes sauvés. For by grace you have been saved. Par les moyens de la foi. Through faith. Et cela ne vient pas de vous. Vous êtes le don de Dieu. And that does not come and that not of yourselves. Nous avons the gift of God. Par la grâce de Dieu, nous avons été sauvés. Through the grace of God, we have been saved. Par les moyens de la foi. Through faith. La grâce de Dieu. The grace of God. C'est la main qui donne. It is the hand that gives. Et la foi, c'est la main de l'homme qui reçoit. And faith is the hand of the man that receives. La grâce de Dieu, c'est la main de Dieu qui donne le salut. The grace of God is the hand of God which gives salvation. Et la foi, c'est la main de Dieu qui reçoit le salut que Dieu donne. And faith is the hand of God of man that receives the salvation that is given by God. Par la foi en Jésus, nous sommes sauvés. But through faith in Jesus, we are saved. Mais comment est-ce que nous recevons cette foi ou ce salut dans notre vie? But how do we receive the salvation of faith in our life? Laissez-moi vous dire que l'homme est un être tridimensionnel. Let me tell you that the man is a three-dimensional being. L'homme a trois dimensions. He's got three dimensions. L'homme est un être tripartite. La tripartite, c'est ça. Is a three-party. Is a man with three parts. Il est divisé en trois parties. He is divided in three parts. Il y a l'âme, il y a l'esprit, l'âme et corps. There's a spirit, soul and body. Comme vous êtes là. As you are there. Vous avez un esprit, vous avez un âme et vous avez un corps. You have a spirit, you have a soul and the body. 1 Thessaloniciens chapitre 5 23 nous confirme cela. 1 Thessalonians chapter 5 23 confirms that. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniciens. It is the apostle Paul who's talking to the Thessalonians. Dieu de paix vous sanctifie lui-même. He says, now may the God of peace himself sanctify you. Tout entier. Completely. Et que votre être. And may your whole spirit. Il explique maintenant l'être. Then he explains the being. L'esprit. The spirit. L'âme. Soul. Et le corps. And body. Soit conservé irrépréhensible lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Be preserved blamelessly at the coming of our Lord Jesus. Donc l'homme. So a man. Comme femme. Je parle d'humain. A woman. I'm talking about human being. A trois parties. He's got three parts. L'esprit. The spirit. L'âme. The soul. Et le corps. And the body. Ensemble, ces parties forment l'être humain. And all together, those parts makes a human being. L'esprit de l'homme, c'est la partie consciente de Dieu. The spirit of man is the conscious part of God. C'est cette partie qui nous permet d'être en contact, en communion avec Dieu. It is that part that allows us to be in contact or fellowship with God. C'est la partie qui nous aide à être en contact avec le monde spirituel. It is notre esprit. But that allows us to be in contact with the spiritual world. Il y a l'âme. There is a soul. L'âme, c'est le siège de la personnalité. And home, the soul is the dwelling of our personality. C'est le domaine de l'intelligence, de la volonté et des émotions. So it is a domain of intelligence, the will as well as emotions. C'est par cette partie que l'homme réfléchit, l'homme pense. It is in that part that the man thinks. Et c'est par cette partie que l'homme a toutes sortes d'émotions. And it is in there, that part that man has got all kinds of emotions. Dans son âme. In his soul. Et le corps. And the body. C'est la partie de l'homme qui nous met en contact avec le monde physique. It is the part of man that puts us in contact with the physical world.
Le corps que vous voyez là. The body as you can see. Nous autres. The body. Les trois parties de l'homme. So the three parts of man. Existent bel et bien. They do exist. Ce n'est pas une imagination. It is not an imagination. Mais elles sont réelles. But they are real. Elles sont distinctes. They are distinct. Elles sont liées. They are linked. Elles sont appelées à fonctionner en harmonie d'une façon parfaite. They are called to function in harmony in a perfect way. Et les trois parties, ces trois parties de l'homme. And all those three parts of man. Et comparé aussi aux trois parties que nous avons dans le tabernacle ou le temple de Dieu. It is also compared to the three parts that we have in the tabernacle or the temple of God. Vous savez, dans le temple de Dieu, nous avons les parvis, nous avons le lieu saint et nous avons le lieu très saint. You know, in the temple of God, we have the courts, we've got the holy place and the holy of holies. Le parvis est comparé au corps. So the court is compared to the body. Le parvis, c'est là où tout le monde entre, un peu de bruit, un peu de reggae. C'est dans le parvis qui représente aussi le corps. So the court is where everyone goes in. There's some noise. That's what represents the body. Le corps de l'homme. The body of man. Et dans le lieu saint. And in the holy place. C'est la partie seulement une certaine catégorie de personnes entrent. It is a part where a certain category of people are. Cela est comparé à l'âme de l'homme. That is compared to the soul. L'homme ne donne pas accès à son âme à tout le monde. The man does not give access to his soul to everyone. C'est réservé à une certaine catégorie de personnes. It is reserved to certain categories. Et nous avons le lieu. And we've got the Holy of Holies. Le lieu très saint, c'était là où était l'arche de Dieu. The Holy of Holies, that's where the Ark of God was found. C'est là, c'est la représentation même de la présence de Dieu. That is the representation of the presence of God. Cela est comparé à notre esprit. It is compared to our spirit. C'est là où le Saint-Esprit habite. That is where the Holy Spirit dwells. L'esprit, c'est la partie de l'homme qui nous permet d'être en communion avec Dieu. So keep in mind that the spirit is the part of man that allows us to be in fellowship with God. Dieu est en communion avec nous. God is in fellowship with us. Dieu nous parle au niveau de notre esprit. God speaks to us at the level of our spirit. Romains chapitre 8 verset 16 nous dit. Romans chapter 8 verse 16 says. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. L'esprit ne parle pas au corps ni à l'âme, mais communique à notre esprit. So the Spirit doesn't speak to the soul or the body, but communicates with our spirit. Car c'est là où le Saint-Esprit habite. Because that is where the Holy Spirit. Là où c'est la partie qui nous permet d'être en communion avec les hommes. That the l'âme. The soul is the part that allows us to fellowship with men. Et le corps, c'est la partie qui nous met en contact avec le monde physique. And the body is the part that puts us in contact with the physical world. Romains chapitre 5 verset 8 nous dit. Romans chapter 5 verse 8 says. Mais Dieu prouve son amour. But God demonstrates his love. Envers nous. Towards us. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs. In that while we were still sinners. Christ est mort pour nous. Christ died for us. Christ est mort pour nous. Christ died for us. Christ est mort pour l'homme entier. Christ died for the entire being. Christ est mort pour l'âme, pour l'esprit et pour le corps. He died for the soul, the spirit and the body. Donc le salut que Dieu nous donne doit atteindre l'esprit, l'âme et le corps. So the salvation that God gives us must reach the soul, the spirit and the body. Mais cela ne se fait pas de la même façon au même moment. And that does not happen in the same way or at the same time. Ou encore l'homme n'expérimente pas le salut de Dieu dans ces trois parties de la même façon. Or rather a man does not experience the salvation of God in all those three parts in the same way. Le salut dans la vie de l'homme se manifeste aussi en trois temps. So salvation in the life of man is also manifested in three times or three parts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit, qui me suit? Donc on parle du salut en trois temps. So we are talking about salvation en trois temps. Three steps. In three phases.
Donc l'homme bénéficie du salut de Dieu dans sa vie en trois temps. So a man benefits the salvation of God in his life in three phases. Au niveau de l'esprit. At the level of the spirit. Au niveau du corps. The level of the body. Au niveau de l'âme. And in the soul. Le prix a été payé une seule fois. So the price was paid once and for all. Mais les changements dans le corps de l'homme, dans la vie de l'homme. The changes in the body or in the life of man. Mais c'est produit. Is produced d'une façon instantanée, instantaneously, d'une façon graduelle, gradually, et puis dans le futur, and in the future, en trois temps, in three phases. Donc nous avons d'abord le salut au niveau de l'esprit, so we have salvation in our spirit, que nous appelons la régénération, which we call regeneration. Nous avons le salut au niveau de l'âme, we have salvation in our soul, que nous appelons la sanctification, which we call sanctification. Et nous avons le salut au niveau du corps, and salvation in our body, que nous appelons, which we call, la glorification. Glorification. Laissez-moi parler un peu d'abord du salut au niveau de l'esprit. So let me talk about salvation in the spirit. Que nous appelons la régénération. Which we call regeneration. C'est le salut que nous disons, le salut dans le passé. It is salvation that we say salvation in the past. Donc si nous sommes en Christ, so if we are in Christ, nous disons que nous avons été sauvés. We say that we have been saved. Nous avons été sauvés de la culpabilité du péché. We have been saved from the guilt of sin. De la domination du péché. The domination of sin. Nous avons été sauvés. We were saved. Et ce salut est instantané. And that salvation is instantaneous. Le salut au niveau de l'âme. Salvation of the soul. Que nous appelons la sanctification. Which we call sanctification. C'est ce que nous appelons le salut dans le présent. That's what we call salvation in the present. Donc si vous êtes en Jésus. So if you are in Jesus. Nous allons dire que nous sommes en train d'être sauvés. We are going to say that we are being saved. Ou nous continuons à être sauvés. Or we are continuing to be saved. Des habitudes de l'influence du péché. The habit from the habits and the influence of sin. C'est la sanctification. It's sanctification. Alors que l'esprit est sauvé d'une façon totale et parfaite. While the spirit is completely and perfectly saved. Notre âme est en train d'être sauvée. Our soul is being saved. Et il a besoin de notre travail, de notre intervention personnelle pour que ce salut soit efficace. And it requires our personal intervention for salvation to be efficient. C'est qu'ici que nous voyons qu'une personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais... That's why we see a person who received Jesus Christ as Lord and Savior, but... Il pèse encore. They are still sinning. Il ment encore. They are still lying. Il triche encore. They are still cheating. Il est sauvé. He is saved. Mais dans son âme, il est en train d'être sauvé. But in his soul, he is still being saved. Ne suffit pas que la personne doit marcher dans le péché. That does not mean that the person must walk in sin. Mais il peut arriver que la personne puisse pécher. But it can happen that the person sins. Voilà pourquoi la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. That's why the Bible says if we confess our sins, he is righteous and faithful to forgive us and cleanse us of all iniquity. Et la Bible ajoute, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons des dieux menteurs. And the Bible says that if we say we are not sinning, then God is a liar. C'est au niveau de notre âme. It is in our soul. Il y a maintenant le corps. Then we have the body. C'est la glorification. That's the glorification. C'est le salut dans le futur. It is salvation in the future. Nous serons un jour sauvés de toute infirmité. We will one day be saved of all infirmity. De toute infirmité corporelle. Of all bodily infirmity. Un jour nous aurons plus faim. One day we will no longer be hungry. Nous serons plus faibles. We are no longer be weak. Nous serons plus malades. We will no longer be sick. La mort ne pourra plus exister. Death will no longer exist. Nous allons avoir un corps glorieux. We are going to have a glorious body. Comme celui que Christ a eu quand après sa résurrection.
résurrection. Like the one Christ got after his resurrection. Un corps glorieux. A glorious body. Et cela est possible. And that is possible. Que les jours de notre mort. Only on the day of our mort. Ou les jours du retour de Christ. Or on the day that Christ comes. Aujourd'hui, j'étais en train d'écouter un chant en Chiluba. J'ai dit à ma femme, je vais vous chanter en Chiluba. I was hearing a song in Chiluba and I said to my wife, one day I will sing in Chiluba. Et me pose des armes, quand? And then she says, when? Quand tu auras un corps glorieux. When you will get a glorious body. J'ai dit non, 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 ici sur la terre. She said, no, no, here on earth. J'ai écouté un homme qui chante en Chiluba, là, il dit, quand Dieu l'a créé, il a parlé en Chiluba. And I heard a man singing Chiluba. He says, when God created him, God spoke in Chiluba. Que l'homme soit. Let the man be. God said it in Chiluba. Ça c'est une révélation. I said that's a revelation. Ça c'est une façon d'aimer sa langue. That's one way of loving or showing how you love your language. Il n'y aura plus de tristesse en ce moment-là. So there is no longer going to be sadness. Je me rappelle on chantait autrefois. I remember we used to sing. Esengo kunana lo. There is joy in heaven. There is joy in heaven. Il n'y aura plus de maladie. There is not going to be. Vous savez, à ce moment-là, nous avons le mind. Comment on peut les appeler? Le kingdom minded. On voit les cieux. And at that time we were kingdom minded. Nous voyons ce que nous allons devenir dans le ciel avec Christ. What we are going to become in heaven with Christ. Il y avait plus de cieux que de champs du ciel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de champs. We were singing a lot of songs from heaven. Today, I don't know what we are singing. C'est ça que nous appelons la glorification avec Dieu au ciel. That is what we call glorification with God in heaven. Permettez-moi maintenant que je retourne à notre à la régénération. So now, allow me to go back to regeneration. Frères et sœurs, brothers and sisters, ce sont des choses que nous devons connaître. These are things that we must know. Si nous connaissons ces choses, if we know those things, nous saurons comment marcher dans la victoire dans notre vie. We will know how to walk in victory in our life. Quand je pèse, when I sin, je ne pèse pas au niveau de l'esprit. I'm not sinning in my spirit, mais je pèse au niveau de mon corps, de mon âme. In my soul. L'esprit ne peut pas pécher. The spirit cannot sin. Pas du tout. Not at all. Là, le salut au niveau de l'esprit. So salvation in the spirit. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 1 Peter chapter 1 verse 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante, permanente de Dieu. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever. Vous avez été régénéré. You have been regenerated. Il y a eu la régénération à votre esprit. There has been regeneration in your spirit. Il y a eu la régénération au niveau de votre esprit. There has been regeneration in your spirit. La régénération, c'est le renouvellement. Regeneration is the renewal. C'est la récréation. It is the recreation. Créer de nouveau. To create again. C'est la nouvelle naissance. It is the new birth. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Si quelqu'un est en Christ, therefore if anyone is in Christ, il est une nouvelle créature. He is a new creation. Les choses anciennes sont passées. All things have passed. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Behold, all things have become. En Christ, nous ne sommes pas une amélioration. In Christ, we are not an improvement. Mais nous avons été but we have been recreated. Nous avons été recréés. We have been recreated. Nous sommes une nouvelle créature. We are a new creature. Au niveau de notre esprit. In our spirit. Nous avons été sauvés. We have been saved. Dans la
new creation. La Bible ne parle pas d'abord de nos actes. Yeah, and it's not first of all talking la Bible about ne dit pas que dorénavant tu ne vas plus pécher. The Bible doesn't say that you will no longer sin. Mais la Bible parle de ce qui se passe au niveau de notre esprit. And the Bible talks about what is happening in us. Nous sommes une nouvelle créature au niveau de notre esprit. A new creature in our spirit. Nous sommes nés de nouveau au niveau de notre esprit. We are born again in our spirit. La nature que nous avions avant a été crucifiée avec Christ. The nature we had before was crucified with Christ. Et maintenant, and now, nous sommes revenus à la vie au niveau de notre esprit avec Christ. We have come back to life in our spirit with Christ. Amen. Quand vous recevez Christ dans votre vie, so when you receive Christ in your life, vous allez réaliser que rien ne change dans votre vie. You are going to realize that nothing is changing your life. Si vous êtes beau, vous restez beau. If you were handsome, you remain. Et si vous êtes, vous restez. So if you were, you remain. Si vous avez un gros nez comme moi, le gros nez reste. If you had a big nose like me, it remains. Si vous avez des oreilles, ça reste, rien ne change. So nothing changes in you. Mais vous êtes une nouvelle créature. And you are a new. In your spirit. Amen. Amen. Même votre intelligence ne bouge pas. Even your intelligence does not change. Si vous étiez intelligent comme moi, vous allez rester intelligent. If you're intelligent like me, you remain intelligent. Votre personnalité ne change pas. Your personality does not change. Vous restez comme vous êtes. You remain as you are. Rien ne change au niveau de votre âme. Nothing changes in your soul. Rien ne change au niveau de votre corps. Nothing changes in your body. Si vous étiez court, vous restez court. If you were short, you remain short. Même si vous aurez souhaité un jour devenir élancé, even if you have wished to become tall, vous allez rester la même personne au niveau de votre corps. You will remain the same person at the level of your body. Mais le changement s'opère au niveau de votre esprit. But change takes place in your spirit. Tout change au niveau de votre esprit. Everything changes in your spirit. Au niveau de votre esprit. Everything changes in your spirit. Je suis content moi-même d'entendre ce que je suis en train de dire. I'm happy to hear what I'm saying. Mes amis, ces enseignements, moi, ça m'a donné certaine liberté. You know, friends, these teachings have given me a certain freedom. Je ne suis plus sous la condamnation. Hey, I'm no longer under condemnation. Ça m'a libéré. It has freed me. Vous connaîtrez la vérité vous affranchit. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Jean 3, verset 3 nous dit. In the book of John 3, verse 3, it says, en vérité, je vous dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Pour entrer dans ce monde, in order to get into nous avions besoin de la naissance physique. We needed physical birth. Pour entrer dans le monde spirituel, in order to go in, to get into dans le monde de Dieu, in the world of dans le royaume de Dieu, the kingdom of God, nous avons aussi besoin de naître. We also need to be born. Voilà pourquoi on parle de la deuxième naissance. That is why we talk about the second birth. La première qui est physique, the first which is physical, la deuxième qui est spirituelle. And the second, c'est ainsi qu'on parle de la nouvelle naissance. That is how we talk about the new birth. Cela n'est pas un processus.
our spirit. Nous sommes tels que Christ est. We are as Christ is. You don't remove anything or add anything. Tel qu'il est. As he is. Tel nous sommes. So are we. Voilà pourquoi je vous disais, frères et sœurs. That's why I was telling you, brothers. Il est temps de croire à ce que la Bible dit. It is time to believe in what tel qu'il est écrit. As it is written. Tel il est. As he is. Tel je suis. So am I. Je suis comme Christ. I am like Christ. Au niveau de mon esprit. In my spirit. Dès Corinthiens 5, verset, à partir du verset 14. 2 Corinthians chapter 5 from verse 14. Notre vraie identité. Our true identity. C'est au niveau de notre esprit. It is in our spirit. C'est ce que nous sommes au niveau de notre esprit. It is what we are in our spirit. C'est la façon dont Dieu nous voit. That is how God sees us. 14. C'est l'amour de Christ qui c'est l'amour. C'est quoi? L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. For the love of Christ compels us because we judge thus that if one died for all, then all died. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. And he died for all that those who live should live no longer for themselves. Verse 16. But for verse 16. Him who died for them and rose again. Verse 16. Verse 16. Ainsi, therefore, dès maintenant, from now on, nous ne connaissons personne selon la chair. We regard no one according to the flesh. Et si nous avons connu Christ selon la chair, and even though we have known Christ according to the flesh, maintenant, yet now, nous ne le connaissons plus de cette manière. We know him thus no longer. Hallelujah. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. We no longer know anyone according to the flesh. C'est-à-dire, that means, nous le connaissons selon l'esprit. We know him according to the spirit. C'est ainsi que au verset 17 la Bible maintenant le verset dit si quelqu'un est en Christ. That's why verse 17 says therefore if anyone is in Christ. Il est une nouvelle créature. He is a new creation. Au niveau de notre esprit. In our spirit. Amen. Nous ne connaissons plus personne. We don't know anyone. Selon son appartenance physique ou biologique. According to what the physical look like. Mais au niveau de l'esprit. But in the spirit. Au niveau de l'esprit. In the spirit. Au niveau de l'esprit. In the spirit. Je suis un esprit. I am a spirit. Non, non, pas un esprit. Je suis esprit. I am spirit. Je possède une âme. I possess a soul. Et j'habite dans un corps. And I dwell in the body. Le Seigneur communique avec nous au niveau de l'esprit. The Lord communicates with us in the spirit. L'esprit, notre esprit est en parfaite communion avec Dieu. Our spirit is in perfect fellowship with God. Mon esprit ne pèche pas. My spirit does not sin. Les problèmes sont au niveau de mon âme. The problem is in my soul. Mon âme a besoin du renouvellement de l'intelligence. My soul needs the renewal of the mind. Afin de comprendre, de vivre selon ce qui s'est passé à mon esprit. In order to understand and live according to what happened in my spirit. Je suis sauvé au niveau de mon esprit. I am saved in my spirit. Mais mon âme est habituée. But my soul is used. À l'ancienne nature. To the old nature. Mon âme est comme un ordinateur qui a reçu des informations. My soul is like a computer that received information. À partir de l'ancienne nature. From the old nature. Il y a besoin maintenant de comment vous dites ça? De formater, voilà. And now it needs to be formatted. Et ce n'est pas Dieu qui va le faire. But it's not God that will do it. C'est moi. It is I. Et voilà pourquoi vous voyez les changements dans la vie d'une personne. La vie de l'homme dépend d'une personne à l'autre. That is why you see change in the life of people depends from one. Celui-ci est plus ouvert à l'action de Dieu par la parole de Dieu. One may be more open to the action of God. Celui-ci ne l'est pas. But another might not. Et il y a un changement dans la vie de cette personne. So there's a change in the life of this. Et moins de changements ici. And less change here. Plus de changements là-bas. And more changes. Tous.
but more all of them. Ont été sauvés au niveau de l'esprit. Ils sont enfants de Dieu. Saved in the spirit and mais les travaux au niveau de l'âme. But the work that needs to be done in the soul. Dépend d'une personne à une autre. Depends from one person to the other. Et c'est ainsi que vous voyez le caractère d'une personne telle et comme ça, telle et telle, telle. Ça dépend de ce comment la personne la s'ouvre à l'action. That is why you find a lot of people with different characteristics. It depends on how the person opens up to God. Voilà l'ordre de Dieu. So here's the command of God. L'esprit, l'âme et corps. The order actually, the spirit, the body and the soul. Le corps. So the body doit recevoir des ordres de l'âme. Must receive command from the soul. Vous savez, nous faisons rien sans que notre mind donne de l'ordre à notre corps. You know, we cannot do anything without our brain sending commands. Donc le corps reçoit des ordres de l'âme. So the body receives command from the soul. Mais selon la pensée de Dieu, but according to the thought, avant que l'âme puisse donner des ordres au corps, before the soul may give command to the body, recevoir des ordres au niveau de l'esprit. The soul must receive command from the soul. Ça, c'est marcher selon l'esprit. That is how you walk. That's walking. Le Saint-Esprit qui habite à notre esprit. So the Holy Spirit that dwells in our spirit. Donne des ordres à notre âme. Gives commands to our soul. Et notre âme donne des ordres au corps. And our soul gives command to the body. Si nous ne faisons pas cela ainsi, nous allons marcher selon la chair. So if we don't do it like that, we are going to walk according to the flesh. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Is anyone understanding? C'est ainsi que nous pouvons vivre soit dans la victoire ou soit dans la défaite. That is how we can live either in victory or defeat. Nous allons continuer cette route. We'll carry on the way. Père, bénis ta parole dans ton cœur. Father, bless your word in our heart. Aide-nous à marcher dans la victoire. Help us to walk in victory. Aide-nous à marcher dans le succès. Help us to walk in success. Aide-nous à marcher. Le Seigneur étant digne d'être enfant de Dieu. Help us to walk being worthy of being children. Que le monde sache que nous t'appartenons. That the world may know that we belong. Bénisse nos offrandes et ces dîmes, Père. Bless these offerings and tithes, Father. Au nom de Jésus. In the name of Jesus.